groupe des ambassadeurs francophones à Bruxelles a été créé en 2009 à l'aide de la représentation permanente de l'OIF à Bruxelles. Moi, j'ai eu l'honneur d'être élue présidente de mon arrivée à cette plateforme qui rassemble aujourd'hui 104 ambassadeurs francophones ici à Bruxelles. C'est une groupe qui se coordonne, qui a l'objectif de promouvoir la langue française ici à Bruxelles. Il faut continuer et privilégier nos efforts communs destinés à renforcer l'utilisation de la langue française comme langue principale au sein des institutions européennes dans toutes ses dimensions politiques, économiques, éducatives, culturelles. Plus que 10 ans après notre adhésion à l'Union européenne, je peux dire que l'intégration européenne est ressentie dans tout le niveau de notre société. L'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne était un moment important dans notre histoire récente. Je pense que la Roumanie, les Roumains ont apporté leur enthousiasme à l'Union européenne. L'Europe a redonné aux Roumains l'espoir dans un avenir meilleur en démocratie et liberté. Nous sommes devenus partie prenante du processus décisionnel européen. Nous avons également réussi à promouvoir au niveau européen des projets importants pour notre région, comme la stratégie pour le Danube et aussi le développement du laser le plus puissant du monde. Après 10 ans, bientôt 11 ans, de l'appartenance à ces grandes familles européennes, je peux dire que la représentation permanente de la Roumanie auprès de l'Union européenne est une interface avec les autres institutions européennes et apporte son soutien aux administrations roumaines pour mieux connaître le processus décisionnel, pour mieux présenter la position de la Roumanie et bien sûr pour mieux se préparer pour la présidence roumaine du Conseil à partir de l'année prochaine. Plus que 10 ans après l'adhésion, je peux dire avec conviction que l'adhésion à l'Union européenne, que l'intégration européenne est ressentie avec force dans tout le niveau de la société roumaine. L'adhésion à l'Union européenne et le respect de valeurs et de principes démocratiques restent constants dans toutes nos approches.